Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Torfab. Alors aujourd'hui, ça va être un petit hors-série. C'est un achat que j'ai fait, un gros lot. J'ai jamais vu ça sur les réseaux, sur les sites d'achat ou quoi que ce soit. Énorme. Et on voit cette console assez rarement. Alors là, on est vraiment dans le très vintage, hein. On est entre les PC de l'époque et les consoles de jeux vidéo comme des NES. On est peut-être plus sur du genre Pong. Mais bon, je vais vous montrer ça. Écoutez, c'est un lot incroyable que j'ai fait. Alors, j'avais vu l'annonce sur Internet, juste sur le Bon Coin. Et j'ai montré ça à ma femme, elle m'a dit « Oh, fonce !» Alors, j'ai foncé. C'est un truc assez rare. Il s'agit d'une Mattel Electronic Intellivision. Alors, je sais pas si vous connaissez cet engin. C'est tout simplement énorme. Alors, je vais essayer de vous la présenter comme ça par rapport au téléphone. C'est quelque chose qui n'est pas évident parce que c'est assez gros, assez conséquent. Voilà ce que ça donne. C'est un truc énorme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de console-là. Mattel Intellivision. Hop. Et dedans, en fait, vous avez des genres de manettes comme ça, vous voyez. Vous pouvez tirer, hop. Voilà, une genre de petite manette comme ça. Et en fait, vous pouvez y intégrer des petits feuillets, voilà, des genres de petits feuillets comme ça, et vous l'intégrez dedans en fait, et ça fait les touches, voilà, ça fait les touches, et on peut diriger comme ça, tourner les trucs avec. Oh, c'est vraiment un truc à l'ancienne, hein. Franchement là, on est sur le vintage total, et dedans il y avait un gros lot de jeux, il y avait également les notices, voilà, j'ai toutes les notices en fait du fonctionnement de la machine en français. Super compte. La notice est en français. Par contre, il y a certains trucs à l'intérieur. C'est, par exemple, là, c'est un genre de petit catalogue en fait avec les jeux. Et ça, par contre, c'est en anglais. Mais c'est pas grave. Hein, c'est juste un catalogue. Donc voilà, avec les notices, l'espèce de Mattel Intellivision électronique. Vraiment l'ancienne. On voit là, on a l'impression bois en fait, comme sur la vidéo pack. Vous voyez, c'est un peu le même système. Et dedans, il y avait des jeux. Alors des jeux, j'en ai en pagaille. Donc il y avait le Space Armada, voilà le Space Armada, donc en boîte, il est complet. Le Star Strike, alors je vais monter un petit peu le, hop, voilà, le Star Strike complet. Le Space Battle complet. Dites-moi si ça vous rappelle des souvenirs ou si vous avez vu vos parents jouer à ça. Hein. Moi, perso, je vous dis, j'ai jamais vu ce genre de truc-là. Franchement, pfou, le lot aussi gros, incroyable. Le Astros Match. Le Astros Match. Le Space Battle Combat de l'espace. Donc là, c'est à moitié en français. Le Horse Racing. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tout ce qui est truc de l'espace, c'est un peu en bleu. Et tout ce qui est un peu... Vous voyez là, c'est le horse racing, donc les jeux de course de chevaux. Et là, par exemple, on a le poker and blackjack, voilà, en boîte. Et en fait, bah ça, c'est plus les jeux de casino, les machins. Donc là, c'est des couleurs vertes et après, il y a des couleurs différentes. Le jeu de roulette. Donc, je ne sais pas combien dans le full set, il y a un full set qui a été référencé sur un télévision. J'en sais rien, je ne peux pas vous dire. Là, on est sur les jeux de sport. Skiing. Tennis. Et tous les jeux en boîte là sont complets. Hein. Il y a les notices et puis il y a les espèces de deux petits feuillets qu'on met sur les manettes. Le soccer. Ouais, ça se présente comme ça à l'intérieur. Je vais vous montrer vite fait. Ça se présente comme ça. Voilà, la cartouche elle est là, la notice d'utilisation et les deux petits trucs qu'on met en fait sur la télécommande. Comme ça on peut appuyer sur les touches, tirer, faire une passe, quoi que ce soit, quoi. Ah ouais, c'est franchement, c'est bien foutu. Hein. Le auto racing. Le basketball. Bon, je vous dis, hein, quand j'ai vu le lot, c'est un truc de fou. Hein. Le venture. Voilà.
Un jeu d'échecs, USCF Chess. Le backgammon, donc ça c'est le genre de jeu, bah, je jouerai jamais. Hein. Le reversi, c'est le genre de pion, les jeux de pions. Je sais pas si vous avez déjà joué ça quand je vous étiez gamin. Encore un jeu de pions, le chess. Le sub hunt. Ah, je vous dis, c'est un énorme lot. Hein. Franchement, là. Le lock and chase. Donc là, il fallait au moins une vidéo juste pour ça. Hein, parce que franchement, énorme. Le triple action. Le night stalker. Le Tron Deedless Disc. Ouais, c'est marrant, ça fait Tron un peu comme dans le film Tron avec, vous voyez, les mecs, ils sont habillés un peu futuristes. C'est marrant, c'est sympa. Et le deuxième, le Tron Mazatron. Ouais, toujours le même système, la disquette, puis voilà, le petit livret et les deux petits trucs pour mettre sur les manettes. Armor Battle. Les boîtes, elles sont quand même en assez bon état, hein. Franchement, pour l'époque, c'est plutôt cool, hein. Sea Battle. Donc là, ça a été mis dans une boîte, le Space Hawk, ça a été mis dans une boîte VHS. Voilà. Le Space Hawk avec le petit livret, les deux petits trucs qu'on met sur les télécommandes. Le Vectron. Le Mission X. Et le Micro Surgeon. Oui, c'est incroyable hein, comme ce genre de jeu. Moi, je vous dis, je ne connaissais pas du tout. C'est une grosse découverte pour moi. Il y avait quelques jeux en loose. Donc le Sever Saw. Le Carnival, le B7 Bomber avec ses deux petits trucs qu'on met sur la télécommande et sa notice. Et il y avait des jeux en loose, mais avec quand même leur petite cale. Il y avait le NFL Football avec ses deux petits trucs comme ça. Le Sharp Shot qui est ici. Le Royal Dealer. Le Major League Baseball, qui est là. Voilà. Le Frog Dog. Voilà. Et le golf. Voilà. Vous voyez, il y a vraiment énormément de jeux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 30, 38 jeux. Il y a 38 jeux quand même. Et en plus, il y avait la notice de Lock and Chase avec les deux petits trucs à l'intérieur là, sur les manettes, et le golf. Voilà, le petit truc de golf. Winter 82, pardon. Winter 82. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu, ça change, hein, effectivement, là pour le coup, voilà, c'est un énorme lot que j'ai fait. Donc super content de l'avoir rentré. Je vais essayer de prendre la caméra, de pas trop bouger le truc, pour vous montrer un peu la bécane. Voilà. Vous voyez, c'est un peu l'engin que c'est énorme. Mais bon, très content de rentrer ce lot de jeux. Vous voyez, il y en a encore là, vers ici. Et bah voilà, comme je vous dis, ça change hein, au niveau du format de vidéo. Pour le coup, là, c'est quelque chose qui est assez. Moi, je trouve quand même assez spectaculaire quand même de choper ce genre de truc. Comme quoi, on peut toujours trouver des choses intéressantes. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, Lâche un petit ciao! pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!